did image fuel conflict or did image help to resolve conflict? Did image is a tool of violence or did image is a tool of peace? Let me talk to you frankly. Sometimes I had my photos which I taken during the war. Sometimes I like it, sometimes I hate these pictures. It is my job to take the picture because I'm a photographer. The war give me a chance to take a lot of pictures. Moi j'étais à Perpignan, j'ai dit comment je suis Libanais, j'arrive du Moyen-Orient. Ce qui s'intéresse pour ces gens de faire des reportages sur plutôt la guerre ou la crise du Liban. Ils ne s'intéressent pas pour la vie sociale, la vie culturelle. Je crois que va rester comme ça jusqu'à je ne sais pas quand on va trouver des agences arabes qui veulent changer la stéréotype du Liban en général. Il y a une image totalement négative et je dirais à la limite sectaire du Liban. On s'en rend compte, nous Libanais, en voyant les nouvelles qui parlent du Liban. On ne vient pas voir qu'au Liban, il n'y a pas que les hommes politiques et leurs discours creux, mais qu'il y a également des gens qui agissent, qui travaillent, des universités, des festivals, des gens qui créent, etc. Non, l'image du Liban est très mal répercutée à l'extérieur. Qui a fait ce qu'on appelle le Rutherford. Sa photo initiale était mieux que la photo retouchée. Il aurait mieux valu ne pas toucher à ça. Et malheureusement, Israël a pris le prétexte de ce cas-là pour dire que toutes les photos faites au Liban par des photographes libanais ou étrangers étaient soit manipulées, soit qu'on mettait des cadavres de bébés dans le champ, etc. etc. We cannot be, in the middle. We cannot. I'm Lebanese. I have to be with my people. The matter concerning about the Israeli invasion to Lebanon. Of course, I will be with my people in my pictures. I will take it against Israel. I have to be in my people's side. You know, this is when I say the photographer is not natural. He must be on the left or on the right. He must be with his people or not. Dans la mentalité de ces jeunes Arabes depuis 10 ans qui ont fait que des images qui il y a 10 ans n'avaient strictement aucun impact sur leur comportement aujourd'hui les encouragent à prendre les devants et à faire la révolution. Au Liban, nous avons un gros problème parce que les oppositions au Liban sont tellement verticales qu'il est difficile de monopoliser un ensemble cohérent et représentatif de la population libanaise sur une même idée. Donc les gens n'étant pas encore psychologiquement prêts à cela, quelles que soient les images qu'ils vont voir, ils ne vont pas réagir dans le bon sens.